Agence américaine développement international, USAID, en tête collée avec Kansas State University, lancé vendredi 21 juillet 2023, un projet PAC technologique agricole dans l'Université chrétienne Nord Haïti, dans l'Imbé. D'après chef projet, Pierre Absalon, objectif là, c'est renforcer capacité étudiants qui dans première et deuxième année dans l'université qui bénéficie. Monsieur Pierre Mandé, pour étudiants, mettez connaissance recherche chauffeur au profit agriculteur. Le projet a voulu créer un centre d'atténuation, d'adaptation par rapport au changement et de résilience par rapport au changement climatique. Centre ça a manifesté à travers la création de 6 parcs technologiques agricoles. Parcs technologiques agricoles, c'est espace côté université. C'est qu'on fait pratique agricole, c'est qu'on s'arrête les fermes académiques, les fermes ou institutions. Mais nous, les parcs technologiques agricoles, parce que nous demandons pour mettre connaissance que recherche qu'il y a fait dans l'université hein, à la disposition producteurs, agriculteurs et n'importe qui qui dans le secteur privé hein, qui t'a rien connaît et vice versa. Selon recteur UCNH, pasteur Jean Darius, partenariat ça pour le faciliter étudiants qui dans master yo faire recherche pour bien former tête yo. Un partenariat innovant qui d'abord a insisté sur comment renforcer ta capacité recherche. Recherche, ça suppose un bagage central que l'université fait, mais malheureusement, à cause de faute de moyens, l'université haïtienne est toujours faible là-dedans. On a pas formé des étudiants au niveau master pour permettre éventuellement de prendre un doctorat, mais ce n'est pas ça seulement. Déjà, étudiants qui sont en première année jusqu'à cinquième année, il y a déjà initié à la recherche avec des projets spécifiques. Ensuite, ça permet que des équipements que nous pas gagner moyen. Par exemple, vous dire, nous allons célébrer l'inauguration de salle virtuelle. Ce sont des choses qu'autrement, il n'y a pas d'apprécié. Les étudiants dans l'université, ça, bat bravo pour USAID et Patelio qui permettent l'université à bénéficier du projet ça, qui peut faciliter la production nationale là, faite plus bien dans le département Nord. Ce nouveau départ dont je vous parle est marqué par le lancement d'un pacte technologique agricole moderne, qui est une chose importante pour l'université et pour le département du Nord tout entier, car elle cherche à impliquer les jeunes et élargir les programmes émergents dans le domaine de l'agriculture et de la production dans la région du Nord. Il y a 6 universités dans le pays qui bénéficient de projets que USAID a financés. Jérôme Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix de l'Amérique.